allons parler ce soir de la crainte de Dieu. Tonight, we are going to talk about the fear of God. Je vous ai dit que je sens dans mon esprit que cette année est spéciale. I told you that I feel in my mind that this year is special. Après m'avoir instruit sur la nécessité d'enseigner aux frères l'art et la pratique de prier les uns pour les autres. After teaching me on the necessity of the brethren to pray one for the others, un enseignement qui n'est pas encore fini, a teaching which is not over yet, le Seigneur m'a demandé qu'on enseigne sur la crainte de Dieu. The Lord, you required me to teach on the fear of God. Il m'a fait comprendre qu'on devrait enseigner sur la crainte de Dieu comme on enseigne sur la délivrance, la sanctification, la consécration. He told me that les autres thèmes bibliques que vous connaissez. We must teach on the fear of God as we teach on sanctification, deliverance, faith, and the other themes that you know. Le Seigneur m'a fait comprendre que la vraie sanctification est celle qui découle de la crainte de Dieu. The Lord made me understand that true sanctification is the one that originates from the fear of God. Quelqu'un peut se sanctifier pour prier et obtenir des choses. Somebody can sanctify himself and pray and obtain something. Quelqu'un peut se sanctifier pour avoir l'autorité sur les mauvais esprits. Somebody can sanctify himself in order to have authority over the evil spirit. Quelqu'un peut se sanctifier parce qu'il ne veut pas que les oppressions augmentent dans sa vie. Somebody can sanctify himself because he wants to avoid that oppressions increase in his life. Mais la vraie sanctification, but true sanctification, vient de la crainte de Dieu. Originate from the fear quand of God. Crains Dieu, when you fear God, c'est dans la crainte qu'on grandit dans la foi. It is in fear that you grow in faith. L'être humain craint beaucoup de choses. Human beings fear a lot of things. Il craint les phénomènes, il craint les entités, il craint les êtres humains. He fears phenomena. He fears entities and human beings. Lisons ensemble dans Matthieu chapitre 10 verset 28. Let's read together in Matthew chapter 8 verse 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Jésus nous enseigne ici. Jesus teaches us here que Dieu seul doit être craint. That God alone must be feared. Ne tremble devant aucun être humain sur la terre. Do not shake or tremble before any human being on earth. Crains Dieu. Fear God. Ne crains pas l'homme qui peut te tuer physiquement. Do not fear man who can kill you physically speaking. Crains celui qui peut te jeter dans le lac de feu, corps, âme, esprit. Fear the one who can cast you into hellfire, body, spirit and soul. Et il est le seul. And he is the only one. Le Seigneur Jésus Christ. The Lord Jesus Christ. Alléluia. Praise the Lord. C'est un grand enseignement que Jésus donne. It's a great teaching that Jesus gives here. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer votre corps, mais n'ont pas le pouvoir de tuer votre âme. Do not fear dans le lac de feu. The one who has the might to kill your body, but has no power to cast your soul into hellfire. Rien que ce verset suffit pour qu'on mette une conclusion à ce message. This verse is enough for us to conclude this message. Si tu viens de donner ta vie à Jésus, if you have just given your life to Jesus, ne crains pas l'homme. Do not fear man qui respire comme toi. Who breathe like you. Crains Dieu. Fear God. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. 1 Peter chapter 2 verset 17. Verse 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu,
honorer le roi. Amen. Vous savez, la doctrine biblique est pure. You know that the Bible teaching is very pure. Ce que Jésus a enseigné. What Jesus taught. C'est ce que les apôtres ont passé le temps à répéter, à redire. It is the same thing that the apostles spent the time repeating. Si ton chef hiérarchique te salue. If you ou t'invite d'entrer dans son bureau. If your boss greets you and invites you to get into his office. Accorde-lui les honneurs qui lui sont dus. Grant him the honors that you owe him. Si ton frère en Christ t'invite chez lui. If your brother in Christ invites you at his home. Viens chez toi. And he comes to you. Manifeste-lui tout l'amour que tu lui dois. Show him all the love that you owe him. Même s'il lève ton voisin dans une réunion comme celle-ci. Even though he is your neighbor in a meeting like this one. Assieds-toi avec amour auprès de lui. Sit with love near him. Pas de murmure, pas de colère, pas d'irritation. No murmuring, no wrath, no anger. Aime ton frère. Love your brother. Honore le président, honore le roi, honore le chef de famille, honore ton père, honore ta mère. Honor the king, honor the president, honor the head of the family, your father and your mother. Dieu ne veut pas qu'on le confonde aux idoles. God doesn't want you to make a confusion between him and idols. Les idoles n'ont pas de vie. Idols do not have life in them. Les idoles ne voient pas. Idols cannot see. Les idoles ne parlent pas. Idols cannot talk. Les idoles ne marchent pas. They don't walk. Les idoles n'ont pas créé le ciel et la terre. They didn't create heaven and earth. C'est notre Dieu, c'est notre Père céleste. It is our God, our heavenly Father, qui donne la vie. Who gives life. Il est la vie. He is life. Il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les eaux, il a créé les mers. He created heaven and earth, waters and seas. C'est lui qui nous a fait. He is the one who made us. C'est lui que nous devons craindre. He is the one we must fear. C'est lui que nous devons honorer, adorer. He is the one that we must adore, c'est we must worship. Devons admirer. He is the one we must behold. Contempler. We must contemplate. C'est lui. He is the one. Et il est clair que Dieu ne veut pas, quand tu lis la Bible, quand il parle de lui-même, il ne veut pas qu'on le confonde aux idoles. It is clear when you read the Bible that God doesn't want us to make a confusion between him and idols. Il dit même qu'il est le seul qui a créé le ciel, les cieux et la terre. Il le dit. And he says it through the scriptures that he is the only one who created heaven and earth. Deutéronome 28 verset 58 à 62. Deuteronomy 28 reading from verse 58 to 62. Si tu n'observes pas et ne met pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Il dit, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas. He says, if you do not carefully observe
all the words of this law that are written in this book that you may fear. Si tu ne crains pas ce nom glorieux, if you do not fear this glorious name, if il va frapper, then the Lord will strike. Il va punir. He will punish. Il va juger. He will judge. Le Seigneur inspire la crainte. The Lord inspires fear. Le Seigneur parle pour produire en nous la crainte de Dieu. The Lord speaks in order to produce in us the fear of God. C'est l'insensé qui chasse cette crainte-là. It is the foolish one that casts away this fear. Quand Dieu envoie la parole, when God brings his word, il l'envoie de manière à ce qu'elle produise en chacun de nous la crainte de Dieu. It brings this, he brings it in such a way that this word produces the fear of God in each one of us. Mais l'insensé, but a foolish one, dit que Dieu n'existe pas. Says that, oh, God doesn't exist. Et quand tu crains Dieu, and when you fear God, ça se traduit par l'obéissance. It is, we can see it through obedience. L'obéissance. Obedience est caractéristique de la crainte. Characterizes fear. La vraie crainte. True fear. Quand tu gardes la parole de Dieu, when you keep the word of God, quand tu prends ses avertissements au sérieux, when you take all his warnings earnestly, c'est une preuve authentique que tu crois en lui. It is a genuine evidence that you believe God. Que tu sais qu'il est vivant. That you know that he's alive. Quand Dieu parle et tu ne prends pas cela au sérieux, c'est une preuve que tu le méprises. When God speaks and you do not take it earnestly, it is an evidence that you despise God. Tu méprises sa loi. You despise his law. Tu méprises ses avertissements. You despise his warnings. Tu méprises ses jugements. You despise his judgments. Tu méprises ses menaces. You despise his threatenings. Tu ne peux pas être béni. You cannot be blessed. Beaucoup se demandent pourquoi toujours les blocages. Many wonders. Why always things are always blocked? Assieds-toi. Sit down. Juge en toi-même. Judge it yourself. Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu en toi? Is there the fear of God in your heart? Est-ce que tu révises ses jugements? Do you revise his judgments? Mais si c'est les promesses, tu as toute la liste. Tu les récites. Mais est-ce que tu révises les menaces de Dieu, les jugements de Dieu? As far as promises are concerned, you have all the list. You revise them. But do you revise the judgments of God? Est-ce que tu sais que Dieu peut bloquer son enfant? Il peut te bloquer. Do you know that God can block a child of his? That is, he can block you. Est-ce qu'on t'a enseigné que Dieu peut détruire tes projets? Have you been taught that God can destroy your projects? Si on ne l'a pas fait, if you have not been taught, on a eu tort. Then we were wrong. Dieu peut te traiter durement. God can treat you harshly. Parce que tu ne le crains pas. Because you do not fear him. Il dit, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée et par des maladies graves et opiniâtres. Il dit, if you do not carefully observe all the words of this law that are written in this book, that you may fear the Lord your, you may fear this glorious and awesome name, the Lord your God,
then the Lord will bring upon you, you and your descendants, extraordinary plagues, great and prolonged plagues, and serious and prolonged sicknesses. Il amènera sur toi toutes les maladies de l'Égypte devant lesquelles tu trembleras, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Moreover, he will bring back on you all the diseases of Egypt, of which you were afraid, and they shall cling to you. Il dit, et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. C'est-à-dire des maladies qui n'existaient même pas encore au temps de la sortie de l'Égypte. Also, every sickness and every plague which is not written in this book of the law will the Lord bring upon you until you are destroyed. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. You shall be left few in number, whereas you were as the stars of heaven in multitude, because you would not obey the voice of the Lord your God. Frère, brethren, Dieu n'est pas une idole. God is not an idol. Il est vivant. He is alive. Il voit. He sees. Il voit nos actes. He sees our actions. Il connaît nos intentions. He knows our intentions. Si tu ne crains que les hommes, tu ne peux pas être saint. If you only fear men, you cannot be holy. Quand le voleur vole, il se dit personne ne voit. When a thief steals, he tells himself that no one sees him. Mais Dieu t'a vu. But God has seen you. Et parce qu'il t'a vu, and because he has seen you, il faut craindre. You must fear. Parce que tu seras jugé. Because you will be judged. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, nous serons comme des animaux. If there is no fear of God, we will be like animals. Il y aura des querelles. There will be quarrels. Il y aura des envies incontrôlées. There will be envies that cannot be controlled. Il y aura des vols, des disparitions, des bibles, même des cellulaires dans la salle. Il y aura des choses horribles. There will be stealings and disappearances of Bibles and mobile phones and terrible things in the hall. Il y aura des rancunes et des manques de pardon. There will be lack of forgiveness and some of us will bear grudge in their heart against others. Il y aura beaucoup de rétrogrades. There will be a lot of backsliders. Il dit, vous allez voir que vous étiez nombreux, mais vous diminuez seulement. He said that you will see that you were numerous, but you will your number will decrease. Quand la crainte de Dieu quitte une assemblée, les gens rétrogradent seulement. Ils rétrogradent tous les jours. When the fear of God departs from an assembly, you will see that people, the brethren, backslides every day. Les réunions sont vides. There were, I mean, many are missing at the different meetings. Ils ne craignent pas, ils ne viennent pas. They do not fear, they don't come. Lis 1 Chronique 16, verset 25. Read 1 Chronicles 16, verse 25. 16. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Amen. Lis le psaume 47, verset 2. Read Psalm 47, verse 2. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Psaume 66, verset 5. Psaume 66, verse 5. Heureux celui que tu choisis et que tu danses. Il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison. 66, verset 5. 66, verset 5. Psaume 66, verset 5. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Psaume 68, verset 35. Psaume 68, verse 35. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force
dans les cieux. 76 verset 6 verset 7. 76 verse 7. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. 76 verset 12. 76 verse 12. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Craindre l'Éternel, fearing the Lord, c'est le sanctifier. It is to sanctify him. Vous voyez comment le psalmiste fait. You see how the author of Psalms says. Il sanctifie le nom du Seigneur. He sanctifies the name of the Lord. Il l'élève. He lifts him up. Il veut montrer que même si les hommes sont en colère, mais la colère de Dieu est terrible. He wants to show that even if men are angry, the anger of the Lord is terrible. La vraie crainte de Dieu. The true fear of God. Tous ceux qui disent Seigneur, 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 mais qui pratiquent le péché ne craignent pas Dieu. All those who say Lord, Lord, Lord and practice sin do not fear God. La réalité c'est que beaucoup craignent le jugement de Dieu, pas Dieu lui-même. Ils craignent la verge. Par exemple, si Dieu a un fouet dans sa main, ils ont peur du fouet et n'ont pas peur de Dieu lui-même. Actually, many fear the rope or the whip within the hand of God, not God himself. Et c'est pour cette raison qu'il est dit que la crainte suppose un châtiment. That's why it is said that la crainte des païens, la fausse crainte. It is said that the false fear, that is fearing the fear of unbelievers, it supposes a punishment. Ça veut dire que si Dieu éliminait le châtiment, tu allais commettre tous les péchés. It means that if God was to remove the punishment, you would have committed all the sins. 1 Jean 4. Not John, but 1 John 4. Verset 17 et 18. Verset 17 et 18. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Dieu veut une crainte qui découle d'une relation avec lui. God wants a fear that comes from a relation with him. Car il est père et il est maître. For he is master and father. Il y a une relation à deux dimensions dans notre vie avec Dieu. In our life with God, there is a relation which is at two dimensions. Et c'est de cette relation-là que doit découler la vraie crainte. It is from this relation that true fear must come. Il dit dans Malachie chapitre 1 verset 6. Il dit, si les pères, où est l'honneur? Et si les maîtres, où est la crainte? He says that in Malachi 1 verse 6, he says that if he is father, where is the love? And if he is master, where is the fear? Lis pour nous Malachie 1 verset 6. Read for us Malachi 1 verse 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Lis le verset 7. Read verse 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Par la qualité de ton adoration, on peut savoir si tu crains Dieu. By the quality of your worshiping, we can discern if you love God, you fear God. Par la qualité de tes offrandes, de tes dons, on peut savoir si tu crains Dieu. By the quality of your offerings, your gift, we can discern
you can know if you fear God. Par ta manière de te préparer pour les réunions peut montrer si tu crains Dieu. By the way, you get yourself ready for the meeting, you prepare yourself for the meeting, we can know if you fear God. Même la manière dont tu t'assieds dans la salle peut montrer si tu crains Dieu. Even the way you are sitting in a hall, it can tell us, it shows if you fear God. Si tes offrandes sont le résidu, le reste, les restes, tu ne crains pas Dieu. If your offering are the leftover, that is the remnant, that then you don't fear God. Si c'est dimanche matin dans la salle que tu mets la main dans ton sac pour fouiller une pièce ou un billet, tu ne crains pas Dieu. If it is Sunday morning in a hall that you put your hand in your bag just to check to check and take maybe a coin there to give to God, then you don't fear God. Parce qu'il est écrit honore l'Éternel avec tes biens. Honore, c'est honore là qui est le principal mot. Because it is written honor the Lord your God with your wealth. It is the word honor that is the main word. Si on dit seulement donne l'argent à Dieu, on t'a pas bien enseigné. If we just say give money to God, then you have not been taught well. Ça doit être avec honneur. It must be done with honor. Parce qu'il y a une relation. Because there is a relation. Il n'y a pas un fouet. There is no whip. Il n'y a pas un bâton. Il n'y a pas une massue suspendue sur ta tête. There is not a rod that is hung over your head. Il y a une relation. There is a relation entre toi within you et ton père. And your father. Tout ce que tu lui fais découle de cette relation-là. Whatever you do comes from this relation. Si tu le prends comme ton maître, if you take him as your master, c'est-à-dire le patron du service que tu fais à l'église et dans la ville, that is the head of the service that you, the ministers that you render in the church and everywhere, tu lui dois la crainte. You owe him fear. Et même si tu disais il n'est pas mon patron, il est mon père, tu lui dois l'honneur. And even if it happens that you say that he's not my head, my boss, he's my father, you owe him honor. Et les frères qui volent l'argent de Dieu, faites attention. The brethren that steal the money of God, pay attention. Parce que vous ne serez jamais bénis. Ce n'est pas moi qui dis, je vous c'est un avertissement, c'est écrit dans la parole. Because you will never be blessed. It's not that I'm the one saying it. It is a warning. It is written in the scriptures. Je vous ai dit que dès le début de l'année, I told you that starting from the beginning of the year, le Seigneur m'a dit, the Lord taught me, enseigne rapidement qu'il faut prier les uns pour les autres. You must teach very quickly that you must pray the ones for the others. Parce que lui sait pourquoi il demande ça. Because he himself knows why he requires this. Après ça, il me dit, enseigne sur la crainte. And after that, he told me, teach on fear. Et je vous dis la vérité, Dieu a commencé à travailler pour notre bien. And I tell you the truth, God has started working for our good. Et ça va continuer. And it will continue. Ça va continuer. It will continue. Pourvu que chacun obéisse. Provided each one obeys. Tous les enfants de Dieu peuvent changer. All the children of God can change. C'est une grâce que Dieu a donnée à tous les frères. Si tu veux changer ce soir, tu peux changer. It's a grace that God gives or gave all to all the brethren. If you want to change, even tonight, you can change. Vous savez, il y a un verset que les gens n'ont pas bien expliqué dans la Bible. You know, there is a verse that people do not certaines personnes n'ont pas bien expliqué. That some people do not explain it well
in the Bible. La Bible dit le juste tombe sept fois il se relève. The Bible says that the righteous one falls down seven times and seven times he rises up. Ce verset, l'explication terre à terre, c'est que aucun enfant de Dieu ne peut être incapable de se relever. The explanation down to earth for this verse is that no child of God is able to rise up when he falls. Le message n'est pas dans le nombre de chutes. Le message est dans la puissance de se relever. The message is not in the number of the falling down, but the message is in the power to rise up. Si quelqu'un tombe, if someone falls down, et ne peut pas se lever, il n'est pas un enfant de Dieu. And cannot stand up, cannot rise up, he's not a child of God. Il n'est pas juste. He's not righteous. He's not just. Les justes ont cette puissance de Dieu. The righteous ones have this might of God, this power of God. De ne pas mourir dans la chute. Not to die when they fall down. Si tu es toujours couché là où tu étais tombé, tu n'es pas normal. Tu es mort-né. If you are still lying down where you have fallen, you are not normal. You are not a child of God. C'est la même chose quand la parole dit que ceux qui ont reçu Jésus ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. It's the same thing when the word says that those who have received Jesus have received the power to become children of God. Ils ont reçu le pouvoir de grandir dans la consécration à Dieu. They have received the power to grow in consecration to God. Et de demeurer en Dieu. And to remain in God. Tu as reçu ça. You have received it. Donc même si tu as volé, tu peux te lever. So even though you have stolen, you can rise up. Même si tu te masturbes, tu peux arrêter. Even if you sans lutter, étant assis là où tu es, tu dis que c'est fini et ça va finir ce soir. Even if you masturbate yourself, you can stop it without shaking. You can, even though where you are sitting now, you can take the decision and it will finish tonight. Tu n'as pas besoin d'imprécation, pas même un jeûne. Tu dis, j'arrête cette affaire maintenant. You don't need any prayer or a fasting. You just decide that I stop this matter now. Après, tu iras jeûner pour les actions de grâce. And after you go fasting for Thanksgiving. Dis amen. Say amen. Dieu est notre père. God is our father. Dieu est notre maître. God is our master. La crainte que nous lui devons, the fear that we owe him, doit découler de cette relation intime avec lui. Must stem from this intimate relation with him. Nous ne devons pas le craindre comme un commissaire égyptien qui est derrière nous pour frapper. Lis la Bible, il frappe. We must not fear him as an Egyptian master who is behind you, behind us, beating us, saying that read the Bible and beats us. Il y a une crainte respectueuse qui est même le refus de se séparer de quelqu'un et la peur de perdre la personne. There is a respectful fear that comes from the fear to be departed from the person. Tu gardes les paroles de la personne. You keep the word of this person. Et quand vous causez, tu lui rappelles qu'il t'avait dit telle chose. And when you talk, you remind him that he said such a thing. Ça, c'est un ami. This is a friend. C'est ce que Dieu veut. And that's what God wants. Quand tu le crains, when you fear him, ce n'est pas parce qu'il a un gourdin dans sa main. It's not because he has a rod in his hand. Il est vrai qu'il a véritablement une verge de la correction dans sa main. It is true that God has a rod of correction within his hand. Mais toi, tu n'as pas besoin de verge. But you do not need a rod. David n'avait pas besoin de verge. Il aimait Dieu, il le contemplait, il l'admirait. Il proclame sa grandeur. David didn't need any whip. He admired God and he proclaimed the greatness of God. Il y a eu des rois en Israël qui sont partis chercher les idoles,
des peuples qu'ils avaient battus. There have been some kings in Israel who went to take the idols of some people that they overcame. David n'a jamais commis cette erreur-là. David never committed that mistake. Dieu est Dieu grand, le seul Seigneur éternel. For him, God is great and the only one, Lord God. Pour lui, entrer même dans le temple était une grande bénédiction. For him, even getting into the temple was a great blessing. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. He said that I am joyful when I am told to go into the house of the Lord. Il dit qu'il demande à Dieu une chose qu'il désire ardemment. He said that he asked God something that he desires. C'est de passer tous les jours dans la maison de Dieu, dans le sanctuaire, pour contempler la femme. Is to spend all the days in the house of God, in the sanctuary, in order to behold the face of God. Il n'a pas besoin d'un bâton. He does not need a rod. Dieu sait. God knows. Que c'est lui-ci même. That this one loves me. Il me craint. And he fears me. Il m'honore. He honors me. Il me sanctifie. He sanctifies me. Au milieu des nations. In the midst of the nations. Hallelujah. Praise the Lord. Notez ceci. Note this. Il y a une relation à deux dimensions. There is a double dimension relation. Qui sollicite sérieusement. Which requires seriously. Notre sens de respect. Our sense of respect, notre amour, our love, notre admiration, our admiration, comme nous venons de le voir dans la vie du psalmiste, as we have just seen in the life of the author of Psalms. David se perd dans l'adoration. David is lost in the worship. Quand il contemple l'œuvre de Dieu, when he beholds the work of God, quand il contemple la bonté de Dieu, when he beholds the goodness of God, quand il contemple la grâce de Dieu, when he beholds the grace of God, vous notez ceci. You note this. Il y a un type de crainte qui est synonyme d'amour et de respect. There is a kind of fear which means love and respect. C'est de ça qu'il s'agit. That's what it all's about. Il y a un type de crainte. There is a kind of fear qui est synonyme d'amour, which means love, qui est synonyme de respect, and which means respect. C'est ça que Dieu demande. That's what God requires. Psalm 8, verset 2 à 10. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. C'est ce type de crainte qui produit de telles proclamations dans l'adoration. This is this kind of fear that produces this kind of proclamation in worshiping. Pendant qu'on se voit petit devant Dieu. While you see yourself small before God. Qu'est-ce que l'homme? What is man? Il y a des gens qui ne savent pas que l'homme n'est rien devant Dieu. There are some people who do not know that man is nothing before God. Ils condamnent Dieu et murmurent. They condemn God and murmur. Ils le critiquent. They criticize him. Quand ils n'ont rien à manger. When they have nothing to eat. Au lieu de prier, ils critiquent, ils murmurent.
Instead of praying, they murmur, they criticize. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. They do not have the fear of Ils God. Font le chantage avec Dieu. They Ils are doing blackmail de, against Ils menacent de rétrograder. They threaten to backslide. Il y en a même qui menacent de se donner la mort. There are some even who threaten to give themselves, to give themselves death. Ils pensent qu'ils sont importants. They think that they think they are important. Que Dieu doit s'occuper d'eux. That God must take care of them. Selon leur vision des choses. According to the way they see things. Ils ont leur vision du monde. They have the vision of the world. Et ils ont la vision de leur personne dans le monde. And they have the vision of the person in the world. Et ils imposent à Dieu de les traiter comme ils veulent. And they impose God. They impose God to treat them the way they like. Ils ont ce que le Seigneur appelle les regards hautains. They have what God, the Lord calls haughty eyes. Ils se sont élevés eux-mêmes. They have lifted up themselves. Donc Dieu les rabaisse. So God lowers them. Dieu les rabaisse. God takes them down. Il a dit au prince de Tyr, tu ne seras plus rien. He told the prince of Tyre that you will be nothing anymore. Il a dit à Babylone, tu ne seras plus jamais habité. He told Babylon, you will never be. There won't be any inhabitants in you anymore. Et c'est fini. La ville a disparu, mais la Macédoine est toujours là. And it is finished. Israël est toujours là. The town, the city disappeared, but Macedonia, sorry, Israel is still there. Il dit dans la prophétie d'Isaïe que l'Égypte, la Syrie et Israël seront trois amis pendant le règne du Messie. And he said in the prophecy of Israel that during the reign of the Messiah, Egypt, Israel and Syria will be free friends. Et ils sont là. And they are there. Et la parole de Dieu va s'accomplir. And the word of God will be fulfilled. Tu te lèves contre Dieu, il peut prononcer un jugement sur ton nom. Il peut dire que ton nom va disparaître de la terre. If you rise up against God, he can proclaim a judgment upon you. He can even say that your name is going to vanish on earth. C'est une grande bénédiction quand on donne ton nom à quelqu'un. It is a great blessing when your name is given to somebody. Volontairement, pas pour trafiquer les nationalités. Quand on donne véritablement, on dit celui qui s'appelle Meigné Boniface. Truly and voluntarily, it's not to falsify nationalities. Dites amen. Say amen. Et puis si tu as de mauvais papiers, ne dis pas je suis de la CMC, arrange ta vie correctement. And if you have evil papers, bad papers, do not say that I am from CMFI. You have to set orders in your life. Si tu as volé le diplôme, je prêchais quelque part, quelqu'un m'a dit, pasteur, ce que tu dis là, c'est un chamboulement. Mon frère était ministre, il c'est mon bac qu'il a. I was preaching somewhere and someone said that this is a total overthrowing because my brother is a minister and the A level that he possesses is bears my name. It is mine. Donc il y a dans cette Afrique-ci un ministre. So here in this Africa, and there is a minister who has a falsified A levels. Pendant ce temps, lui, il va à l'église fidèlement, mais son bac, il a donné à son frère. Why he himself is going to church faithfully while he has given his A level to his brother? Il faut craindre Dieu. You must fear God. Dans Proverbe 16, verset 6, il est dit, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. In Proverbs 16, verse 6, he said that by your goodness and your fear, we take away iniquity. And by your fear, we remove evil. Quand on craint Dieu, comme nous venons de définir, dans le cadre d'une relation qui existe. When you fear God, as we have just
explained, in a relation, a real relation that exists between you and God, on s'éloigne du mal. You depart from evil. On s'éloigne du péché. You depart from sin. C'est le manque de crainte qui fait que on définit bien comment on se marie, mais les gens ont toujours des petits dossiers sales, beaucoup, beaucoup. And it is the lack of fear that makes that we always explain how to contract marriage, but people always have some evil files, finding ways that are not correct before God. This is the lack of fear. C'est le manque de crainte qui fait que une sœur s'en va en Égypte. It's the lack of fear that attacher un homme et tirer dans l'église. It's a lack of fear that a sister can go into Egypt and get bound to a man there and bring him in a church. C'est le manque de crainte qui fait qu'un garçon s'en va acheter une prostituée, dit pardon, suis-moi, fais ce que je fais. It's the lack of fear that can bring a brother to go and take a prostitute and say, follow me, do what I do. Si je me lève pour prier, lève-toi pour prier aussi. If I rise up to pray, you also rise up and pray. Comme ça, aujourd'hui, on ne va pas se poser la question, qui est-elle? So that on the D-Day, people will not ask the question, who is she? C'est le manque de crainte. It's the lack of fear. Ceux qui craignent l'Éternel se détournent du mal. Those who fear the Lord turn their back. Tous les grands hommes de la Bible craignaient Dieu. All the great men of the Bible feared God. Dieu a dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains. God told Abraham, I now know that you fear me. Il a rendu témoignage à Job. Il dit, il est droit, il est intègre, il craint Dieu. He testified about Job, saying that he's righteous, he's a man of integrity, and he fears God. La Bible dit que Dieu s'appelle la terreur d'Isaac. C'est-à-dire, Isaac craignait Dieu, si bien que quand on veut parler de Dieu, on l'appelle la terreur d'Isaac. The Bible says that Isaac feared God so much that when we talk about him, they said the terror of Isaac. Beaucoup de personnes disent Isaac a semé, Isaac a récolté, mais ils sautent le fait que Dieu était la terreur d'Isaac. Many people say that Isaac sowed and Isaac reaped, but they don't care about this fact that et Dieu pouvait bénir son champ. That God was the terror of Isaac and that God could bless Dieu pouvait bénir ses troupeaux. His plantation and his flock. Dieu s'appelle la terreur d'Isaac. God knew the terror of Isaac. Et il est qui pour toi? And who is he for you? Dans Actes chapitre 9 verset 31, il est dit que in Acts chapter 9 verse 31 it is said l'église était en paix dans toute la Judée. The church was peaceful in all Judea, la Galilée, la Samarie, in Galilee and Samaria, s'édifiant dans la crainte du Seigneur, strengthening itself in the fear of the Lord. Les premiers disciples craignaient le Seigneur. The first disciples feared the Lord. Ils le servaient avec tremblement. They were serving him trembling. Pour eux, c'était un honneur, une grâce de servir Dieu. For them, it was a honor, a favor to serve God. Il est inutile de servir Dieu si on n'a pas de crainte pour lui. It is useless to serve God if you have no fear for him. La crainte de Dieu est une vertu. The fear of God is a virtue. On la cultive. We cultivate it. En restant attaché au commandement de Dieu. Being bound to the commandments of God. En prenant au sérieux ses menaces. You take his threats earnestly. De la plus petite à la plus grande, qui est la fin du monde et le jugement dernier. From the first threat, the smallest threat, to the greatest one, which is the last judgment. Il faut que nous soyons fidèles. We must be faithful.
Si nous disons que nous allons prier tel jour à telle heure, nous devons être fidèles, dire faites les vœux et accomplissez-les. Ça, c'est la crainte de Dieu. We, if you decide that we pray such day at this hour, we must obey, because he said that make some vows to the Lord and fulfill them. This accomplis is the fear of God. Ce que tu as promis à Dieu. Fulfill accomplish what you have promised God. Ça fait partie de la crainte de Dieu. It is part of the fear of God. Il dit, faites les vœux. He said that make vows et accomplissez-les. And accomplish them. Il y a des gens qui disent, je ne veux pas faire des vœux. Je ne veux pas être fidèle. Tu as déjà perdu. Même dès que tu refuses de faire des vœux, c'est une preuve que tu n'aimes pas Dieu. As soon as you refuse to make vows to the Lord, it is an evidence that you don't fear God. Ne dis pas je ne veux pas établir les objectifs. Do not say that I will not establish my objectives. Tu dois dire à Dieu je veux faire telle chose pour toi. You must tell God, I want to do such a thing for you. Quand Jésus venait dans le monde, when Jesus was coming into the world, il a dit à son père, he told his father, je m'en vais, oh Dieu, faire ta volonté. I'm going, oh Lord, to do your will. Il n'a pas dit j'arrive, je vais te dire après. He didn't say I'm coming, I'll tell you later. Tu proclames, you proclaim it, tu annonces, you announce it, et tu tiens ferme, and you stand fast, pour accomplir ce que ta bouche a déclaré. To accomplish what has come forth from c'est ça, your mouth. La crainte de Dieu. This is the fear of God. Le vœu the fire doit être accompli. The vow must be fulfilled. Vous avez vu comment Jephthé a livré sa fille. Comment Jephthé a livré sa fille après son vœu. How Jephthé handed her daughter over after making an oath to the Lord. Ne détruisons pas l'œuvre de Dieu dans nos vies. Let us not destroy the work of God in our lives. N'imite pas les faux frères. Do not imitate the false brethren. Les faux frères, the false brethren, sont dangereux. They are dangerous. Ils peuvent te sortir de la crainte de Dieu. They can take you away out of the fear of God. Ils te donnent l'impression qu'ils sont dans la foi depuis. They give the impression that they are in faith ever since. Mais tout ce qui est bien, but whatever is good, que tu veux faire pour Dieu, that you want to do for God, ils sont tes ennemis. They are your enemies. Les opposants. They are opposing. Ne t'assieds pas avec eux sur le même banc. Do not sit with them on the same bench. N'écoute pas leurs conseils. Do not listen to their advice. C'est par cette loi que le Seigneur a commencé le livre des Psaumes. It is by this law that the Lord started the book of Psalms. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie, qui n'écoute pas le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Blessed is the one who do not listen to the advice of the wicked one. Premier psaume, premier verset. He's the first book of Psalms and the first verse. Si tu décides de craindre Dieu, if you decide to fear God, marche avec ceux qui craignent Dieu. Walk with those who fear God. N'écoute pas les fausses exhortations. Do not listen to false encouragements. Si tu discernes que ton dirigeant a rétrogradé, if you discern that your leader has backslided, cela transparaît clairement dans son discours, and you can see it very clearly in his sayings, averti, war, sonne la trompette, and sound the trumpet, et sauve les frères, and save the brethren. Il y a la crainte des païens. There is the fear of the unbelievers. Un païen peut fumer sa cigarette sans problème jusqu'à l'entrée du temple. A pagan can smoke his cigarette without any problem up to the entrance of the temple. Avec son chapeau sur la tête. With his hat on his head. Quand il arrive à l'entrée là. When he gets at the entrance. Il enlève le chapeau. Takes away the hat. Il jette la cigarette, il éteint le. And he casts down the cigarette. Et puis il entre and quench it, dans le temple. And he enters into the temple. Et il s'assoit avec une concentration malsaine. And he sits down here with a concentration that is not holy. Dès qu'on dit amen, as soon as we say amen, il sort. He goes out. Il met son chapeau. He puts on his il prend hat, sa cigarette.
il takes his cigarette and ça, c'est la crainte de tradition humaine. This is the fear of the human traditions. Même les gens qui craignent le vaudou, c'est comme ça qu'ils le craignent. Even the people who fear vaudou, that's the way they fear him. Les enfants de Dieu, the children of God, craignent Dieu comme aimer Dieu. Fear God as love God. Pour eux, aimer et craindre sont synonymes. For them, love, loving God and fearing God are synonyms. Et il y a des bénédictions spécifiques qui attendent que le peuple commence à craindre Dieu. There are specific blessings that will come as when the people start fearing God. Le Seigneur m'a enseigné un jour que les vertus ont des grâces. The Lord taught me one day that virtues have graces. Il y a des grâces qui accompagnent chaque vertu. There are graces that accompany each virtue. Il y a des choses que tu n'auras que quand la crainte va t'habiter. There are things that will come that you will possess only when fear comes into your heart. Il y a des choses qui attendent le jour où ton cœur va commencer à honorer le Seigneur. There are things that are waiting for the day when your heart will start honoring the Lord. Dieu a dit à Abraham, God told Abraham, je sais maintenant que tu me crains. I now know that you fear me. Et il lui a fait la promesse. And he gave him the promise. Il a renouvelé l'alliance. And he renewed the covenant. Tenons-nous debout. Let's stand on our feet. Crie à Dieu pour toi-même. Cry out to the Lord for yourself. Dis à Dieu que cela ne m'arrive pas, Seigneur. Tell God, let this not happen to me. Te servir sans crainte. To serving you without fear. Et perdre les bénédictions. And lose. Perdre ton amitié. Lose your que cela ne m'arrive pas, Seigneur. Que cela ne m'arrive pas. Let this not happen. Commençons à prier. À la maison, at home, médite sur ton cœur, mais mon cœur est la crainte de Dieu. Meditate on your heart, right? My heart and the fear of God. Tu écris ce que tu reçois. And you write what you receive. Et tu pries pour toi-même. And you pray for yourself. Mon cœur est la crainte de Dieu. You write my heart and the fear of God. Si tu es fatigué, tu te couches. Quand tu vas te réveiller, ta méditation doit porter sur ton cœur et la crainte de Dieu. If you are tired, you go and sleep. But when you get up in the morning, your meditation will be upon your heart and the fear of God. Dieu va te parler comme il ne t'a jamais parlé. God will speak to you as he has never spoken to you before.
Il pourra même te révéler les choses que moi-même je ne connais pas. He will even reveal you things that I myself do not know. Parce que c'est un message qu'il a demandé. Because it is a message that he required. Je ne crois pas que mon intelligence peut saisir tous les contours. I don't think that my intelligence can catch all the surroundings. Mais si tu te places devant lui, but if you set yourself before him, il va achever son œuvre. If you stand before him, he will complete his work. Selon ses plans pour toi. According to his plans for you. Seigneur notre Père, instruis ton peuple. Conduis chacun. Que le voile soit déchiré. Que ta pensée soit impartie dans les cœurs d'une manière directe. Que tout ce que l'ennemi planifiait s'écroule. Qu'il soit dans la désolation. Que ton peuple soit béni. Béni, béni, béni. Que personne ne manque de puissance pour se relever. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.